que nous allons, je suis dans quelques instants, allez la France, allez les Français, parce que celui-là, on va revenir aux agents aux Italiens. Faites du bruit, encouragez-les, attention, on va partir, c'est le premier de la France, les Allemands, c'est parti. Quel cheval, il gagne vraiment avec beaucoup de marge, on a l'impression. Var nog härlig häst, han vann med mycket kraftig kval såg det ut som. Ja, han kunde gått ganska länge I det tempo I vart fall. C'est lui, c'est beaucoup plus de kilomètres même speed. Et il avait décidé déjà auparavant de la tactique, il pensait tout de suite prendre la tête et la corde. Hade du bestämt det på förväg och prova ledningen? Ja, det var I grund drömmen. Det var det för han går väldigt fint. Han går överallt men I tät är du ganska säker när både häst och kusk egentligen. C'est lui, c'est meilleur. Les drivers sont meilleurs à tête et les chevaux meilleurs à tête. C'est pour ça que c'est aller à tête. Est-ce qu'il connaît les limites de ce cheval-là? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a beaucoup de facilité. Har du någon gång känt begränsningar I hästen eller har du fortfarande inte känt vad botten är? Den har jag aldrig känt. Det är helt fantastisk. Han har alltid gått fort och så målsträcken. Hur många lopp har han gjort? Ja, många han har gjort. Det var ett löp I Danmark. Han var lite slakt, men ellers har det varit bara strak väg alltså. Det en gång I sitt liv I Danmark så var han lite trött. Annars har han aldrig känt han trött. En fois c'est un fois danois, c'est lui trouvé c'est un peu malade, c'est mon gars avant toujours jamais trouvé les limites pour les chevaux. Est-ce que c'est un cheval de prix d'Amérique? Är det en häst för prix d'Amérique? Drömmen är 2016. Lui pense c'est prêt pour ça 2016. Pourquoi pas avant? Varför inte före? Nej, jag känner att hästen är för färsk till det. Jag har bara en sån och det kanske jag får bara I liv också. Jag vill gärna bruka huvudet som vi säger I Norge då, med hästen. C'est lui dire, c'est que un cheval comme lui. Et pourquoi 2015, c'est sûr gagné 2016. Dominique, super performance de El Mago. Oui, j'ai eu le bon parcours et puis... Lufti m'avait dit que le cheval était très bien, donc il faut surtout y croire ce que j'ai fait. Et puis il a eu raison, le cheval il court super bien. Ouais, le parcours dans le siège du favori, c'était la course qu'il lui fallait. Ouais, je savais pas s'il allait démarrer aussi vite, mais bon, c'est le scénario que j'avais mis un peu dans la tête avant. Mais bon, des fois ça se passe pas comme on veut, mais là ça s'est bien passé. Pour toi, c'est un cheval qui a la pointure de courir les meilleurs cet hiver? Je pense, oui. Et je pense qu'il va être aussi bien 2007 que 2100. Donc il peut faire des bonnes performances cet hiver. Louis, troisième avec Village, il a été rassurant après sa prestation du Critérium? Oui, absolument. L'autre jour, on a un peu d'explications à sa contre-performance. Aujourd'hui, avec un meilleur parcours, on aurait été plus près du gagnant. Maintenant, voilà, il nous a rassurés, le cheval a montré son niveau. Ouais, ça s'est un petit peu passé en descendant, si tu arrives à te rabattre dans le siège du gagnant, tu penses que tu aurais pu l'inquiéter? Si tu sais refaire la course, ça ne sert plus à rien. Mais c'est sûr qu'en ayant son dos, on aurait été second. Après, de dire de gagner, non, je sais pas, on ne peut pas dire qu'on aurait gagné.
Prochain objectif pour Village Mystique, c'est quoi? Normalement, il va courir le Marcel Laurent, qui arrive début novembre 2100 Autostar. C'est une distance qu'il aime bien quand même.